Allô, bonjour frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi. Votre chef à la maison qui rentre là avec nous, moi dis nous merci, merci et waouh. Merci pour confiance nous, merci pour support nous. Surtout de nos jours, moi tiens à mettre accent sur support nous. C'est grâce à nous-mêmes, c'est chez nous lié, c'est à faire nous lié. Et mais nous tous ensemble, nous avons fait évoluer. Actuellement là, nous sommes rendus à 6053 abonnés. Bravo, merci. Merci encore. On a continué à faire travail là, on a continué à faire bouche à l'oreille jusqu'à ce que dans 5-6 ans nous atteignions 2 millions d'abonnés noirs. Et moi, et moi, nous, chaque quoi là dans le tout. Moi, je vais faire une gratinée de pommes de terre pour nous, ok? Pour me faire gratiner de pommes de terre là, ok, grand pile gratinée de pommes de terre, ok? Là, maintenant, moi-même, m'a fait gratiner de pommes de terre, pam, pour nous. Qui est plus simple, plus facile, très économique, et nous parlons ça. Moi, je prends 2 kg de pommes de terre, moi, je mets en cube. Moi, tout fait pommes de terre en cube déjà. Là, moi, j'ai un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet, moi, je vais juste déposer là-dedans. Quand il y a là, moi, je vais faire le cuit. Avec petit bouillon de poulet là, quand il y a bouillon de poulet avec un sel, moi, je mets un petit sel là-dedans, qui est égal à une cuillère. Quand il y a là, je vais du feu doucement, quand il y a là, je vais quitter pommes de terre à commencer à cuire tranquillement. OK? Donc, quand il y a là, ça fait, quand il y a les fins de bouillie là, qu'on a retiré la couverture là, qu'on a quitté le bouillon. C'est un gratiné de pommes de terre m'a fait, mais qu'on a là, pommes de terre à bouillie avec bouillon de poulet et puis un petit peu de sel, c'était tout. Il y a un bouillon de poulet, montre-nous comment pour nous faire déjà. Il n'y a pas de sel là-dedans, là, nous t'es fait. Qu'on a là, pommes de terre à cuite. M'a quitté pommes de terre à cuite à moitié. Ok, là, il est presque cuite à moitié. Ok, qu'on a là. Une fois que les pommes de terre sont cuites à moitié, qu'on a fait mes fois. Qu'on est là, on va le décanter. Qu'on a fini de vider, qu'on a gâte. Qu'on a déposé les pommes de terre qui à moitié cuite là, dans la chaudière encore à nouveau. Ok? Qu'on a là, on va commencer la procédure pommes de terre gratinées à nous. Une fois que moi vider de l'eau, bouillon de poulet qui pomme de terre là, t'es cuite là, me découpé en cube là, qu'on a gardé. Moi, mettez 4 tasses de lait, ok? Même, ok? Dérivé exactement à la hauteur patate là. Ok, mettons t'es là, car là, normalement, quand qu'on finit de faire pomme de terre à cuite à 50%, n'importe quelle quantité pomme de terre, ou à mettez là en chaudière, même où t'es cuite là, ou à mettez hauteur là-dedans, ok? On a la moi mettez une tasse de fromage. Quand regardez, ouais, j'en ai des petits pommes de terre ça haut, un petit bail de muscade qui très bon goût là-dedans. OK? Moi-même moi mettez un petit cuillère de paprika. Si toutefois pas gagne, c'est pas un problème parce que ça là, là juste bah un petit goût. Évidemment, mettez un petit poivre. Quand on a moi brasser tout ça là-dedans bien brasser. Quand on a là, dans la même chaudière ça qu'on a là, moi pour allumer du feu pour juste monter à ébullition. Pour que ça me monte la ébullition, pour que je cherche farine et l'amidon qui existe dans la pomme de terre là. Parce que la pomme de terre a une farine tout naturelle là-dedans. Ça là, qu'on a là, qu'on va commencer à bouillir là. Moi, je viens camper bon côté là pour me civil, pour ne pas trop monter. Pour ne pas monter parce que sinon, la boule est en bas et puis tout bas. Ok. Lorsque nous avons fini de mettre le fromage là avec toute l'aide là qu'on a là. Après 20-25 minutes comme ça, regarde qui ça vient de bam. Devant mon bail bien épais. Ok? Qu'on a là, moi fais mes fois, qu'on a là, moi fais le gratiner. Ok? Ok, moi béré en pirex, qu'on a là, pomme de terre, regarde. Ouais, qu'on a là comme si il tout bien bien collé. Ok, qu'on a là, moi mettez le fumoir à 350, les monter. Et puis m'a programmé 25 minutes. Ok, qu'on a la gâte, mais là bien fait comme ça. Qu'on a la moelle, mettez fromage là-dessus. On mettez fromage qui est dans le dos. Fromage qu'on remet. Vous allez voir, ça va être waouh! Café, hein? Et voilà. Qu'on a la moelle, mettez dans le bafou. Et voilà. Mais qu'on a là une belle coloration, qu'on a tout ce liquide sur le cap monté là, on va vous inquiéter.
dès que les films refroidissent, parce que là, je mettais la 350, 30 minutes, c'est parfait, c'est excellent. Okay? Mais le résultat devant nous, qu'on en a pris le temps, on va quitter le refroidi, bien refroidi, après ça, on va le couper devant nous. Voilà. Qu'on a quitté le fond, bon, tu refroidis, regarde, nous te retirons le kit, on te l'a pas gagné rien. Qu'on a là, on va aller juste couper. Il n'y a pas qu'on finit fret, j'en boule ta fret là, non, mais peu importe, normalement, c'est parfait là. Ok? Belle coloration, bien beau. Et voilà. Waouh. Ok? Maintenant, on retire là. Regarde ça. Petit fromage là, bien bas là-dedans. Regarde, c'est ça. Ok? Ça, c'est petit pomme de terre gratiné par moi-même. Ok? Et voilà. Maintenant, bien facile, bien simple, c'est très bon. C'était JFL, Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison. Tu rentres là, nous, merci. Au revoir.